Moi, c'est en ça que le théâtre m'intéresse. Je sais que c'est impossible de changer le monde, mais j'essaye. Pareil. Mais je sais que ça probablement que ça marchera pas, mais j'essaye pareil. Ça n'a pas de sens de ne pas essayer. Puis y en a que ça tape ses nerfs et qui font « Hey, Mère Teresa, d'ailleurs. Mais pas, tu sais, je veux dire, il faut se servir de tous les outils. Puis c'est en ça que j'étais tellement aimée travailler avec Washi, parce qu'il faisait pas du théâtre pour divertir. J'ai fait « Ok, moi je bois ses paroles, ce gars-là, il a quelque chose dans la tête, puis il y a un projet, tu sais. » Ça nous a fait comme créatrice. C'est comme une deuxième école. Je me souviens vraiment de Waji qui dit « C'est parfait, il nous reste plein de temps, il nous reste une semaine. » Fait que c'est comme si on a comme changé un peu notre perception avec ce travail-là, puis qu'on a comme gardé cette affaire-là dans notre manière de travailler. Ce qu'on a appris, c'est t'as le droit de risquer jusqu'où toi t'es capable de risquer. T'as pas besoin de rassurer tout le monde. Bon. Après, on essaie d'être rassurante un peu quand même. Pour les autres. Les spectacles d'Anne-Marie, là, c'est vraiment pas des spectacles où je peux prendre des décisions à l'avance. Faut vraiment que j'essaye d'écouter ce qui se passe. C'est comme regarder une fleur pousser, quelque chose sortir de la terre, puis essayer de deviner c'est quoi la plante, puis comment tu peux l'aider. Mais tu sais, tu peux pas y toucher vraiment, tu peux pas tant que ça te tirer dessus, c'est sûr que non. Tu peux pas, si ça apparaît pas tout de suite, tu peux pas enlever la terre pour regarder comment ça se passe. Faut vraiment que tu laisses comme les choses apparaître, sinon t'es brise, tu sais. Je pense que le degré de confiance qu'on a l'une envers l'autre nous permet toutes les deux d'aller plus loin, comme moi comme metteur en scène, elle comme auteur. Il y a toutes sortes de richesses dans le fait de travailler avec des gens que tu connais pas. Il y a plein de richesses qui arrivent parce que ça te déplace. Mais Anne-Marie est tellement vaste comme créatrice qu'elle me déplace même si je la connais bien. On travaille sur la même affaire dans le monde aussi, Anne-Marie puis moi. Je sens qu'on essaye de faire contrepoids à la même affaire. C'est-à-dire un discours dominant, une dépression, une dépression mondiale. Anne-Marie puis moi, on essaye de comme peser de l'autre bord. Ça se passe, le théâtre. Quand ça se passe, il n'y a rien comme ça. Mais c'est juste des fois, ça se passe pas. Mais quand ça se passe, c'est bon. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut que le monde voit. C'est ça qu'on veut faire. C'est...